Bienvenue encore donc euh, de retour euh, Compte-à-Rendre, la première partie de mot à Et euh, la poésie prend pas mal de, de facettes. Des fois, on revient de, de trucs qui nous euh, mènent un peu en enfer, qui nous retournent, OK, en dedans, puis qui nous euh, ramènent un peu à nos racines, puis qui nous forcent à regarder dans un miroir, puis nous dire « c'est bon, c'est moins ça », puis de remonter alors euh, des fois il y en a qui réussissent euh, qui réussissent pas puis il y a des fois il y en a qui prennent une voie assez originale pour se sortir puis revenir puis d'enseigner aux autres alors euh, Steve Charland ok lui-même euh, se qualifie simplement d'un gars débrouillard ok qui a appris de la vie puis qui cherche à apprendre aux autres alors euh, ben, je veux juste euh, dire bon matin. Il est venu de loin pour nous voir, euh, de Saint-Adèle. Bon matin à toi, Steve, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Ah, On faudrait t'entendre un petit peu plus. J'entends de belle voix. Là. Ben oui, ah. euh, je vais très bien. Je suis content d'être rendu ici. C'est une aventure pour moi de me rendre à Montréal, sur la grosse île, comme j'aime dire euh, en riant souvent. Euh, je suis content d'être rendu. Je <laughs> suis content d'être avec vous autres. Première expérience radio. Je j'étais curieux. Tu te considères comme. Euh, Point conférencier, c'est ça? La Ah, poérancier. Oui, c'est original. Uh, Kim, d'ailleurs, qui est un amateur de de ces co conférences, tout ça. Quand, vraiment, il va pas être curieux. Comment ça t'en est venu de ça? Est-ce que tu peux un peu parler de qui, d'où tu viens un petit peu? Bien sûr. Euh, écoute, euh, j'ai toujours été un peu dans l'animation versus toutes sortes de choses que j'ai essayé, mais j'ai animateur de métier de toutes sortes. Puis euh, un jour, je me suis retrouvé à écrire des livres et faire des conférences pour exprimer mes points de vue concernant la société puis euh, toutes sortes de choses. Puis j'avais un ami qui me suivait tout le temps puis qui me disait euh, quand tu sors tes livres ou que tu fais une conférence, faudrait que tu rajoutes un titre, conférencier ou poète ou rajoute un titre à ton nom. Puis moi qui ai passé sa vie à essayer de s'attacher à un certain titre. J'ai passé plusieurs années par la suite à vouloir me détacher de tous les titres, puis seulement devenir euh, qui je suis, c'est-à-dire Steve. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, OK, je vais me créer moi-même un titre à ce moment-là. Euh, je ne pourrais pas être euh, euh, comparé. Je ne pourrais pas... Euh, ça n'existe pas. Ça va piquer à la curiosité. J'ai donc fait euh, le lien entre la poésie et euh, les, la conférence. C'est devenu cohérencier. Euh, mais, mais, mais est-ce que Steve euh, bon, comme tu viens de l'expliquer, ça a un lien avec poésie et conférence. Est-ce que ça veut dire que lors de tes conférences, tu inclues aussi de la poésie? Oui, oui. Euh, quand je fais mes conférences, il y a toujours euh, deux parties, c'est-à-dire une partie plus explicite. Euh, euh, plus direct où j'explique un point de vue sur un sujet donné. Puis en deuxième partie, ben j'ai un ami qui fait de la musique à la guitare en arrière, puis euh, je livre de la poésie qui va avec le sujet que j'ai livré. Ah, ok, parfait, parfait. Mais, mais est-ce que tu sens que euh, éventuellement, ben, les gens qui font des conférences ou des présentations, ils sentent éventuellement qu'il y a une écoute ou que qu'il y a moins d'écoute. Mais est-ce que toi, en, en partageant ta poésie, tu sens que réellement il y a de l'écoute? Je trouve qu'il n'y a pas assez d'écoute, étant donné que euh, on est tous un peu des gens euh, underground qui sortent du bois. Tu sais, euh, moi, je viens de la campagne, puis euh, je commence un peu à me faire connaître. Là. Euh, non, il n'y a pas assez d'écoute, puis euh, c'est bien que vous puissiez nous offrir une voix, pour que plus de gens puissent nous écouter, puis venir nous chercher euh, par les médias sociaux ou autres, parce qu'il euh, y a vraiment des gens comme moi qui ont des choses intelligentes à dire, puis on n'est pas assez connus. Et, euh, et ça, un je truc que je trouve intéressant, parce que quelque part aussi, vous, toi et ta, 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 ta copine, qui est un peu ta femme, vous oui. êtes ensemble depuis un sacré bout de temps. Oui. Tu es un gars fidèle à tes, à, à tes émotions, fidèle à qui tu es, fidèle aux gens, fidèle en amitié, puis un quelque de choses. Donc, tu t'es créé un genre de carrefour d'amitié qui est géré par toi, puis un peu ta femme de vie. Oui. T'sais? Alors, euh, c'est chez Billy, c'est ça? Oui. Local chez Billy. Euh... En face de la plage, c'est le chemin du chantet à Saint-Adèle. Euh, c'est un lieu de, de rencontre où on offre euh, des repas, des ateliers de croissance, euh, des rencontres, une façon de sortir de l'isolement. Euh. Pour bien le brancher, c'est au 1155, chemin du Chantet-Clair à Saint-Adèle. Euh, c'est pour regrouper plein de gens abstinents qui euh, s'en sortent d'une autre façon. Puis, euh, toi-même, OK, donc, j'avais euh, un père alcoolique mmh. à mon côté un méchant gars, il bon, y en a tous les degrés, à ce moment-là, ou c'est une forme de, de, de dépendance, on se comprend rien, il y en a plusieurs, oui, oui. pas de questions, ce pas de mes affaires, tu comprends, mais pour être capable de parler de ça, pour être capable de l'avoir vécu soi-même, ou d'avoir vécu avec quelqu'un qui l'était, donc euh, c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de euh, beaucoup d'écoute, donc tu as, as appris une écoute de toi, puis une écoute des autres, ça a dû être difficile, euh, oui, très difficile. Je ne suis pas gêné de te le dire. Moi aussi, j'ai eu des problèmes de consommation dans le passé, euh, jusqu'à vouloir en mourir, pour un jour euh, me sortir de ça puis apprendre à vivre avec moi-même. Puis plus je vais à l'intérieur de moi, bien, plus je suis porté à aller vers les gens, euh, écouter les gens, me reconnaître dans les gens. Euh, la, la meilleure façon d'aider les gens, je trouve, aujourd'hui, c'est d'apprendre à s'aider soi-même. Donc, je peux me reconnaître dans les autres. fait que c'est facile pour moi de leur dire les bonnes choses ou euh, simplement écouter ce qu'ils ont à dire et avoir de la compassion pour parce que je connais le sujet de, dans lequel ils me parlent. Mais Steve, tu, 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 tu nous emmènes à une autre question. Tu m'emmènes à une autre question. C'est qu'on a invité pas mal de poètes et poètes ici ou dans notre émission. Puis, eux autres, pas mal de, de poètes et poétesses, ils disent que euh, euh, moi, je, je sens le besoin d'écrire de la poésie. La poésie, pour moi, c'est un exutoire. Donc, euh, il se confie, au fait, aux lettres et aux mots. Qu'est-ce que tu penses de, de ça? Toi? Oui, moi aussi. Euh, je peux te dire que dans mon premier recueil, euh, c'est un peu ce que j'ai fait. Euh, le premier recueil s'appelle 7 ans de poésie. C'est les sept premières années de ma vie où j'ai vraiment été abstinent. Puis euh, j'ai mis mes tripes là-dedans, j'ai mis mon rétablissement, j'ai mis mes souffrances. Euh, si on, je parle d'authenticité, d'honnêteté, euh, d'humilité, d'orgueil, euh, de tout ça, euh, pour euh, me dégager. Puis, euh, le premier but, c'était pas vraiment d'être lu, mais c'était plutôt de me dégager de ce que j'avais à dire. Ouais. Okay. Ça, c'était le premier recueil. Pour, pour ce qui est du deuxième Est-ce que tu peux le montrer? C'est euh, ouais, euh, je, je très sûr. important que les gens. Tu euh, es là pour te faire connaître un peu aussi. C'est oui. important que les gens voient. Entre autres, vu qu'on a ici un petit, un petit concept amusant de radio vidéo Donc, euh, on va se profiter de la chose pour montrer les, les, les livres, qui sont excellents d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. J'ai des petits yeux partout moi, avec l'Empire de Marie-Lavigne. D'ailleurs, merci à Jean et OK, à Chantal de, 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 de t'avoir publié et de compter ce matin. Bien sûr. Donc, euh, Qu'est-ce que ça fait, OK, Android, bon, il y a toute OK, création de ton local, qui est une recréation de ta vie, puis être capable, OK, de, de faire ça. Ça doit être drôle, OK, à ce moment-là, si on te disait au moment où tu étais dans le fond euh, de toi-même, puis que tu remontais, puis tu te retrouves aujourd'hui de genre X, années plus tard, tu sais, on dit toujours c'est le chemin, hein? Oui. Bon, demain, tu as fait le chemin, tu te trouves là avec deux livres, etc. etc., etc. des fois, ils te disent, bon, pour toi, c'est pas important les titres, mais tu quand même, tu regardes, mon Dieu, je pensais pas, je serais là. Alors, euh, Qu'est-ce si que tu penses un peu, OK, à ce moment-là, de regarder le futur Est-ce que tu vois juste le, le présent ou tu vis au jour le jour J'essaye au maximum de vivre au jour le jour. C'est sûr que j'appréhende un peu le futur. Puis euh, en ce moment, je suis en train de mûrir un troisième livre, si on veut. Euh, j'appréhende un peu, mais tout en me posant pas trop de questions. Euh, c'est un peu comme j'ai écrit. Euh, le premier livre, je disais, c'est. Sept ans de poésie, c'est mes sept premières années, c'est mes souffrances, c'est ma rédemption, c'est ma réadaptation. Le deuxième, ben, euh, je me suis permis à, à divaguer dans des sujets un peu plus engagés euh, qui me tiennent à cœur dans cette société que je trouve euh, complètement déséquilibrée, <laughs> euh, où que les gens euh, vivent plus de souffrance que de bonté. Euh, Là-dedans, j'en ai un qui est le départ du troisième qui explique vraiment... Euh, l'importance de revenir à l'instant présent et de ne pas appréhender le futur. Tu sais. C'est drôle parce que c'est un sujet qui, qui, qui est très à cœur pour actuellement Oui, oui, mais, mais justement, Steve, toi, tu mentionnes, tu dis que euh, cette, notre société, la majorité des de, de, de gens sont esclaves de cette société actuelle. Qu'est-ce que tu, oui. tu veux dire par ça? Oui, euh, je suis content que tu me poses la question. Ça va être d'ailleurs le sujet de mon prochain livre. Quand vous allez voir passer ça, je, je, je veux l'appeler sortir de l'esclavage. Euh, parce que je trouve qu'on est esclave de cette société. Euh, Au-delà de, de, de tous ceux qui consomment ou qui ont arrêté de consommer euh, ce qu'on dit qui est mal vu de la société, qu'on parle d'alcool ou de drogue. Au-delà de ça, il y a un politiquement correct qui est dans la consommation jusqu'aux oreilles aussi. Euh, on parle de, de, de trop travailler mm -hmm. euh, parce qu'on est surendetté, on devient esclave de cette société. On devient esclave de nos dettes, esclave d'une banque, esclave d'une carte de crédit. Euh, on devient esclave de ne plus être capable de dire non à un patron à l'overtime parce qu'on a les dettes qui vont avec. Mm. Euh, les gens, ils sont vraiment dans un sur-esclavage de surconsommation. On n'est plus des êtres humains, on est des consommateurs. Moi, je suis, je suis bien Je suis un gars de terrain. J'ai été toute ma vie, bizarrement, que je ne m'attendais pas à ça quand j'étais flou, parce que j'ai viens d'un drôle de milieu aussi. Euh, on va peut-être l'occasion de se rejoindre à un moment donné. On va se fils bouquer, peut-être une soirée, je ne sais pas. Regarde, ça sera de même ou devant une bière ou whatever. J'aimerais bien t'entendre. Tu as texte? un TFC, on a essayé de parler d'une couple de textes. Est-ce que tu voudrais nous en lire un? Oui. Oui. Je vais mettre une petite musique de violon, une bonne amie à moi, Nika. il y a une petite guirlande en arrière, mais c'est peut-être un texte qui va faire assez dans le temps. C'est Stéphane Charland, nous sommes sur Radio-Centre-Vie, FM, avec Kermiche. Kermiche. Oui. Et euh, petit couteau, donc. J'ai choisi un texte engagé que j'ai écrit euh, le 24 juin 2015. pohérence d'un Québec déchu. J'ai mal à ma patrie. J'ai honte à mon pays. D'être un numéro d'importance zéro. J'en perds mes mots, qui n'ont plus de signification réelle. La mort d'une démocratie, la naissance d'une corporatocratie. À s'empêter, Bretel. Pétitions et manifestations n'ont fait que prouver l'inexistence d'importance d'un peuple sans voix. Ma fierté est disparue avec le fleur de lys, Manipulée Made in China et acheté par les États. Descendre dans la rue ne changera pas puisque la minorité visible devenue invisible va finir par être nous pauvres québécois. Divisé pour mieux régner. On parle encore de se divorcer, à quoi bon puisqu'on est surexploité, surendetté. Et puis après le divorce, les deux parties s'appauvrissent et l'avocat s'enrichit. Je souhaite voir la machine cupide crasher. On sera jamais plus québécois que le jour de la pendaison des patriotes qui nous ont donné la raison de rester des moutons. À l'odeur du cayenne, j'en ai la chienne. Le jour où le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir. L'humanité connaîtra la paix et ma patrie aussi, mais c'est pas demain la veille. Pour d'un Québec déchu. 24 juin 2015. Ah, oh, bravo, vraiment bravo. Hein. C'est bon, ça me fait bon. un peu à toi, tu sais, la, la, la des bouffons de Falardeau... Oui. Ouais, je vois ça, moi, je vois ça, tu sais, dans le Bishop Club, là, c'est ouais. ça, là, je vois, vois cette affaire-là, c'est bizarre. hein <laughs> mais mais j'aimerais peut-être poser une autre question à, à Steve après cette lecture. Ben oui. Bien sûr. Puis, puis euh, qu'est-ce que tu penses toi ou pour toi, pour toi Steve, comment tu définis euh, la poésie engagée Ben, euh, je définis ça comme une voix euh, qui peut dire ce que plein de gens pensent tout bas. Euh, on arrive à, à dire, à écrire, à transmettre tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je trouve ça drôle que tu cité C'est d'ailleurs un de mes mentors. Je trouve que c'est un gars qui a dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Malheureusement, on n'est pas assez écouté. Euh, Aujourd'hui, j'ai posté un, un, un post qui disait euh, euh, 99 de la population sont gérés par 1 puis 98 <laughs> de la population sont contre <laughs> C'est vrai. C'est ouais. Falardeau qui avait dit le truc que j'ai mis euh, l'autre jour. Là, il disait, tu quand tu es debout, ils sans crise, oui. il t'appelle ils t'appellent monsieur. <rire> 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 mais, mais je reviendrai peut-être, si tu permets, Marc, à une question. Ben oui, à Steve mais. Je, je, je te permets, c'est sûr. Notre <laughs> invité, puis, euh, puis ce qu'il y a, c'est que, comme tout à l'heure a mentionné Marc, c'est que euh, je pense que Steve, et, 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 c'est en trébuchant, c'est en, en, en tombant, puis en se relevant qu'il a éventuellement appris à écrire de la poésie ou a, appris, on va dire, à maîtriser mieux, on va dire, la littérature ou, ou l'écriture en français. Mais je vais te poser une question en disant, qu'est-ce que tu penses, parce qu'il y, y a ici au Québec, même en Europe, France ou Belgique, il y a un certain establishment, euh, c'est est, 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 est eux qui disent, ah, tel bonhomme, c'est un poète, tel bonhomme, c'est pas un poète, mmh. et eux autres, leurs leur critères, si quelqu'un est allé à l'université, il a un diplôme universitaire, doctorat ou PhD en littérature. Lui, il peut être docteur. Les autres, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Allez, tu vas me craquer. <laughs> <laughs> C'est parfait. On tôt. cherche pas ça, voir, toi. nous autres. Non, tu sais, Steve, lâche-toi, lousse. C'est sûr que pour un gars comme moi qui sort de la campagne, ça va être plus dur de me faire connaître. Ça va être plus dur de sortir de l'ombre, justement parce que je ne fais pas partie de l'establishment. Euh, je suis pas je suis pas géré euh, par quelqu'un de connu, puis je ne pas de nom parce que euh, je sais pas par qui qu'on est commandité, mais bon. <laughs> euh, c'est sûr que ça va être plus dur pour moi de me faire connaître parce que je fais pas partie de ça. Puis euh, je trouve ça plate parce que qu'on parle de poésie ou qu'on parle de n'importe quoi d'autre sur la planète, on est vraiment géré par une, une gang minime mm. qui nous vendent l'idée que c'est nous autres qui gèrent. On parle encore de démocratie alors qu'on sait que depuis des centaines d'années, ça n'existe plus. Mm -hmm. Ou bien tu fais partie de l'élite, ou bien tu bûches pour essayer de mettre du pain sur ta table, ce qui est complètement aberrant. Euh, on, on, on mérite tous de gagner notre vie avec notre passion, mm -hmm. mais si tu ne fais pas partie de l'élite, ben tu, tu bûches plus longtemps puis tu es obligé de faire d'autres jobs à côté. Ce qui tue l'inspiration. C'est. Mm -hmm. si, si, à la question de, 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 de poésie. Tout ça, quand tu arrives, okay, que tu Moins de 5 de la population qui possède 80 des ressources okay, mmh. du monde, ça laisse un, un genre de gros point d'interrogation. Fait que quand tu as un paquet de monde, okay, qui essaie juste d'être heureux, pas la ligne, okay, puis ils vont un petit peu ben, avec euh, le moment présent, puis de vivre, okay, de du mieux qu'ils peuvent. Tous les morceaux de soleil deviennent un petit bonheur. Oui. Hein? C'est ça. Fait que. Parle-moi de, de, de ta vie, ta femme. que okay, Je pense que c'est quelque chose d'important et elle t'inspire beaucoup dans ton écriture. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Bien sûr. Euh... Écoute, euh, on est deux personnes qui essayent de vivre l'instant présent. On est deux personnes qui ont eu un passé euh, lourd. En fait, on a essayé tout. On a tout essayé pour faire partie de cette société. Puis euh, un jour, on a essayé d'en débarquer à faute des cœurs en titre. Puis euh, On s'est rencontrés. Euh... Parce qu'on côtoyait les mêmes places euh, avec des gens en rétablissement, des gens abstinents, des gens qui avaient connu la rue, des gens qui avaient connu la pauvreté, euh, la déchéance, la noirceur. Puis euh, quand on, on a commencé à s'épanouir tous les deux, ben on a mis euh, on a mis tous les deux les pieds dans une maison de thérapie, puis c'est là qu'on se croisait parce qu'on travaillait avec ces gens-là. On se croisait, puis euh, aujourd'hui on partage notre vie de tous les jours, puis. Euh, Écoute, c'est plus, plus que communément appelé au Québec ma blonde. Moi, je l'appelle tout le temps ma partner parce qu'on est vraiment partner dans tout. Mais, mais ceci, ce que tu viens de, de mentionner, Steve, m'amène éventuellement à une question. Mm. Est-ce est que tu penses que, on va dire, la poésie ou l'art plastique pourrait être un, 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 un comment dirais-je un moyen d'expression pour, pour des gens en addiction pour éventuellement c'est pas en pour... ah, thérapie est, exactement est-ce que ça pourrait être une certaine forme de thérapie la écrire la poésie ou la euh, plastique oui moi, moi personnellement je peux te dire ça a fait partie de ma thérapie d'être capable d'extérioriser tout ce qui avance dans de moi sous forme de poésie euh, puis je connais beaucoup de gens qui font ça aussi, mais encore malheureusement, euh, on n'est pas connu. Euh, les gens aiment mieux poster des chats que de lire des vraies affaires, là. Ouais, ouais, tout, tout en, <laughs> en parlant de, 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 de chats, je pense, OK, que c'est pas de. T'as probablement un autre texte, okay, que tu veux nous lire, okay, oui. à ce moment-là, parce que moi, je, je reviens encore à ça. Je suis bien acharné OK, avec toi, mais j'aime bien entendre okay, les gens arriver avec leurs mots et le dire. Est-ce que oui. ça te tente? Tu peux présenter le texte, puis après ça, on y va. Oui. Euh, le texte s'appelle Le Chasseur, c'est inspiré d'une fable d'un ami que j'ai bien connu il y a plusieurs années qui s'appelle Robert Tessier. En fait, j'ai mis des mots euh, poétiquement sur ce que lui m'a raconté. Le chasseur s'en allant tranquillement chasser, traversant son champ pour se rendre au boisé. Il aperçut un oiseau à moitié gelé. En grande générosité, il ramassa l'oiseau. Il le mit dans son manteau pour le réchauffer. L'oiseau s'éveilla et se mit à bouger. Devenant insupportable pour le chasseur, il prit soin de le déposer dans une bouse de vache fraîchement lâchée. <laughs> l'oiseau se mit à chanter si fort de joie, enfin réchauffé. Le chat du fermier qui passa par là avala l'oiseau d'une seule bouchée. La morale de cette histoire. Celui qui t'a mis dans la n'est pas nécessairement un ennemi. Celui qui te sort de la marde n'est pas nécessairement un ami. Puis si jamais t'es dans la marde, ça serait avantageux que tu fermes ta gueule. <laughs> c'est explicite. c'est drôle parce que t'es aussi un compteur, ok, en même temps. Oui. Comment ça se passe quand tu arrives, ok, devant le monde et tu partages? Ben euh, j'ai adoré ça. Entre autres, j'ai eu la chance de vivre une expérience à Montréal où euh, je devais faire euh, une poérance comme je l'aime bien parce que je mêle la poésie, euh, le conteur, euh, mes textes engagés. Euh, le thème s'appelait justement sortir de l'esclavage. Puis à travers de ça, j'avais raconté une histoire de ma jeunesse où ce qu'on ramassait des betteraves, moi et mon grand-père. C'est euh, une histoire qui a fait fureur dans mon deuxième livre, puis que je me plais à mettre dans un, une cohérence parce que c'est rempli de sens et de leçons dans une dans un petite activité qui était de ramasser des betteraves avec le grand-père. Euh, il était d'une grande sagesse, puis il s'est servi de ça pour m'enseigner des leçons que j'ai compris 30 ans plus tard. <laughs> des fois, c'est drôle, hein? il faut faire un chemin de vie pour être capable de comprendre des affaires, tu comme genre. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. C'est ouais. es, que même si ça t'arrive dans le film, tu dis Ah, oh, tabarnak, c'est ouais. ça que j'ai vécu. Hein? Ah, ouais, ouais. <laughs> oh, mon Dieu. Mais, mais j'aurais une question éventuellement à Steve Charlot, une question classique. C'est les débuts en écriture ben de Steve vas <laughs> Éventuellement, vas-y. Éventuellement, c'est ça. C'est quoi les débuts en écriture de Steve Charlot C'était comment Comment tu as découvert la, la poésie Comment Des choses comme ça euh, C'est drôle parce que ça fait très longtemps que je m'adonne à l'écriture. Euh... Je devais avoir 7 ou 8 ans. J'avais écrit un poème. On avait comme mandat d'écrire un poème à l'école. <coughs> Puis moi, euh, j'avais déjà le cœur à la main. J'ai écrit un poème avec comme titre « L'amour ». Je ne me souviens pas du tout du poème. Ça fait trop longtemps. Quand j'ai été lire mon poème en avant, c'était bien « cute » de ma petite fille à l'école. Quand j'ai débarqué de la scène, c'était moins qui en avant de mes chums qui eux autres se sont à me amnésés. Comme on est ingrat quand <laughs> de, on est jeune. De, de la jalousie, peut-être. Peut-être. <laughs> un, peu, un peu beaucoup. <laughs> on, a, euh, on a une façon d'aimer quand on est jeune qui est, qui est pas mal bizarre des fois à petite école. Puis euh, euh, moi, je l'ai pris vraiment personnel dans ce temps-là. Puis j'ai mis ma poésie dans un tiroir, puis je l'ai caché pendant 35 ans. Euh, par la suite, j'ai toujours écrit. J'ai toujours mis ça de côté. Par la suite, euh, via les médias sociaux comme Facebook, j'ai osé de temps à autre en mettre un et regarder les réactions pour finalement me dire ça a l'air d'être bon ce que j'écris, les gens réagissent, puis les gens aiment ça, puis euh, m'en redemandent. Fait que je me suis laissé aller, puis je me suis trouvé une maison d'édition euh, qui a été facile à, à négocier, puisque c'est des gens comme vous, puis moi, euh, qui commençaient leurs affaires, puis qui voulaient sortir des gens de l'ombre comme moi vraiment bien. Ok, parfait. Moi, je suis toujours un chêne, hein? Ok, à ce moment-là. C'est <laughs> ouais, pour ça qu'il m'appelle l'emmerdeur. Hein? Mm. Ben, tu m'avais dit que vous me cuisineriez. Oui. <laughs> Donc, t'as-tu un autre texte pour nous autres Oui, oui. Euh, C'est à, à la mode franquette qu'on t'arrête. Hein? ces choses-là, même si Akim à, à, à est, est un garçon curieux. Non, mais, façon... non, mais c est, c est, c est, tu as tout à fait raison. C est, c est, on découvre notre euh, invité Donc à travers la poésie S'il l'ose. L'échange de questions. S'il l'ose. Oui, oui, S'il veut bien. <laughs> euh, pour te présenter le texte, euh, J'ai pas la prétention de te dire que j'ai écrit ce texte. Je l'ai plutôt reçu en inspiration. Un soir de pleine lune, le coin d'une chandelle. Un peu plus profond. Message de l'au-delà. Puisque vous avez tué massacrer, brûler, torturer, crucifier, juger et emprisonner tous ceux que je vous ai envoyés. Qu'attendez-vous donc de moi? J'en suis essoufflé. Devant la folie de l'humanité, vous êtes tous occupés à me chercher dans la futilité de l'extérieur. Je n'y suis pas caché. Je vais vous le répéter. Je suis là où personne ne me cherche, dans la chaleur de votre cœur la voix qui crie en dedans, cette voix que personne n'écoute. C'est bien moi. Qu'avez-vous donc à me fuir? Je ne cesse de vous le dire. Le salut est dans l'amour de votre intérieur, et non dans la possession à l'extérieur. Des poètes et des chanteurs, des simples d'esprit et des sculpteurs, des peintres et des prêcheurs, des animaux et des enfants, je ne cesse de vous envoyer des gens pour vous parler. Mais vous êtes tellement occupé à les juger. Et puis vous continuez de chercher ailleurs. Cessez votre recherche et puis écoutez, je vous trouverai. C'était très bon, vraiment. là C'était très bon, oui. C'est drôle parce que tu fonctionnes, moi. Ouais. c'est dans les trucs longs de ce temps-ci, j'écris avec d'autres. Des fois, tu arrives, OK, puis tu gargarises, tu prends une petite boîte, là, puis tu sais pas. Est-ce que tu arrives à la fin de tout? Ça s'appelle le cadavre ex -kit. Moi, je me fais tu ex-kit, bon, au journal de fou. Puis, à part du temps, je mis écrire les petites affaires. C'est comme une chanson. Tu te écris tes affaires comme une chanson, tu mets tout dedans, là, tu pitches dedans, toute ton émotion, puis après ça, tu es comme genre... <laughs> <Ouais. rire> c'est à peu près ça? Oui. Bien, une partie de mon deuxième livre, c'est un peu ça. Euh, c'est du garochage sur une feuille par inspiration instantanée à n'importe quelle heure du jour, n'importe quelle heure de la semaine. Euh, D'ailleurs, en ce moment, je suis dans une période de sécheresse et je ne sais pas quand ça va reprendre, mais je sais que ça va reprendre. Puis l'autre partie du livre, euh, c'est des textes plus engagés, plus expliqués, euh, plus réfléchis, plus travaillés. Euh, je suis vraiment fier du deuxième pour ça. J'ai pris le temps d'exprimer des points de vue euh, politiques, mort, cupidité, euh, contrôle d'humanité. Euh, mais j'ai pris plus le temps de l'expliquer. Fait que j'ai vraiment deux façons de travailler. Ça dépend comment l'inspiration vient. Bon. on a le temps d'une dernière question. Est-ce que tu peux nous donner le site Internet, en d'autres, pour les gens qui voudraient voir, pour les poérenciers, puis euh, ces choses-là euh, Bien euh, sûr pouvoir euh... voir Steve Charland okay, Entre autres aussi Puis le de Bill, chez ben, Bill Vous pouvez me trouver Surtout sur Facebook euh, Steve Charland ouais Là où je passe euh, Toutes mes affaires C'est Steve avec deux E Évidemment Oui Steve avec deux E et, et Éventuellement Les, les projets présents Et futurs De Steve Charland De Steve euh... Charland C'est ça <laughs> ben euh, On est à monter Le local euh, Chez Billy Si tu veux Ça fait trois mois Que ça existe Puis c'est en pleine expansion Il y a plein de choses Qui se greffent à ça puis euh, j'aimerais bien sortir euh, mon troisième livre euh, quand l'inspiration va me reprendre. Okay. Je te dirais que c'est en train de se mûrir en dedans de moi. Puis un jour, euh, je vais mettre euh, crayon sur papier. J'aimerais bien ça le sortir cet hiver qui va s'appeler euh, Sortir de l'esclavage. Écoute, Steve, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as une dernière phrase que tu m'as donner, entre autres euh, quelque chose qui te vient en tête un petit peu, qui parle de toi comme, euh, comme personne, qui euh, quelque chose, aucune phrase de vie qui est importante à tes yeux. Hmm. Pas un truc qui te vient en tête, là. Il n'y a rien de mieux que l'authenticité du moment présent. C'était Charlotte. Donc on est sur les content. Merci d'être venu. Des de, 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 de très fonds d'où je viens moi aussi de l'autre bord. On est à l'opposé, oui. mais c'est pas rien. C'est bien le faute de t'avoir ici cet à matin. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. merci. Moi aussi, je suis content d'être avec vous. Autres. Merci. On se laisse, OK, sur un petit truc OK de Filmuse monde. Donc, euh, on passe en deuxième partie avec la chronique du conseil.